Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la bourse décidée par le président de la République au profit des étudiants palestiniens en Algérie, perçue dès ce mercredi, ils sont 1 milliard en bénéficier. Le Conseil de sécurité de l'ONU abritera vendredi une séance sur les velléités d'expulsion des Palestiniens de leur terre, une initiative de l'Algérie qui vient d'entamer son mandat en tant que membre non permanent. La hausse de la production de gaz selon un bilan de la Sonatrach, 136 milliards de mètres cubes en 2023 grâce au raccordement de nouveaux gisements, une augmentation qui se répercute sur les exportations. Extraction du minerai de fer à Garjbilet, la campagne est lancée pour 200 000 tonnes durant cette année 2024. Le site bénéficiera également d'une centrale solaire. Et en sport, la sélection algérienne de football attendue en Côte d'Ivoire en vue de sa participation à la CAN J-5 avant son premier match. Madame, Monsieur, bonjour. La bourse décidée par le président de la République au profit des étudiants palestiniens perçus dès ce mercredi par un millier de bénéficiaires. Une décision exécutée aussitôt prise en guise de solidarité avec la Palestine. Rachid Hamdi, directeur de la coopération au ministère de l'Enseignement supérieur, extrait de l'invité de la rédaction. Effectivement, ils vont l'apercevoir aujourd'hui, et ça suite à l'orientation de M. le Président de la République pour prendre en charge immédiatement les étudiants palestiniens après l'interruption des contacts de ces étudiants avec leurs proches à cause de l'intervention sioniste dans les territoires palestiniens occupés. Tous les étudiants internationaux qui sont en Algérie sont considérés comme des étudiants frères à leurs camarades algériens. Il n'y a aucune distinction. L'invité de la rédaction qui a par ailleurs annoncé la mise en place prochaine d'une agence d'accréditation de la qualité qui sera chargée d'évaluer les programmes de formation. La solidarité de l'Algérie avec la cause palestinienne se traduit également à travers cette séance qu'elle initie au Conseil de sécurité, un débat sur le projet d'expulsion des Palestiniens de Gaza, une démarche entreprise aussitôt son mandat entamé en tant que membre non permanent. Amjad Shihab, professeur à l'Université d'Al-Aqsa, joint par l'abbé Aslimani. L'Algérie, sa politique, son engagement, ses activités en faveur de défendre la cause palestinienne n'a pas cessé. Dans l'histoire, l'Algérie était choisie par les Palestiniens pour déclarer l'indépendance de la Palestine en 1988. Aussi, l'Algérie continue de soutenir par tous les moyens la cause palestinienne, que ce soit financièrement, que ce soit dans le soutien diplomatique. Cette initiative du Conseil de sécurité d'appuyer la position palestinienne, ici, de faire la pression. Le projet israélien de déporter les Palestiniens est dangereux, explique Amjad Shihab. Scénario favori par le gouvernement d'extrême droite, ils mettent la population devant deux choix, soit mourir par le bombardement, soit mourir par la maladie, soit mourir de faim, ou de partir, d'quitter la bande de Gaza. Et ils cherchent à avoir des endroits comme l'Afrique, Congo, Tchad, Rwanda, d'autres pays comme Canada et comme Australie. Je pense que c'est une politique qui a beaucoup avancé. L'avenir de la bande de Gaza est en danger. Cette initiative algérien au Conseil de sécurité, très très important parce qu'ils mettent en lumière la responsabilité de la communauté internationale devant un nouveau crime de guerre selon le droit international et aussi la responsabilité du Conseil de sécurité aussi de protéger sa crédibilité, sa légitimité aussi. En attendant, le gouvernement d'occupation appelle les Israéliens à retourner dans les colonies autour de la bande de Gaza. La résistance met en garde Mourad Sba, journaliste à Ramallah, contacté par Karima Bennour. Il y a eu des menaces de la part du porte-parole des brigades Al-Qassam Abu Ubaïda pour tous les colons juifs pour ne plus retourner aux abords de Gaza, puisque les colonies sont une cible facile à la résistance. Et la plupart des colons sont revenus à leur pays d'origine et les autres ont été chassés des hôtels qui les hébergeaient parce que l'entité sioniste ne payait pas leur séjour. Les colons ont peur de retourner dans les colonies proches du Liban. Toutes les écoles ont été fermées. En plus, les colons trouvent que leur armée est faible. En ce qui concerne la visite de Blinken à Ramallah, il y aura des manifestations et des rassemblements de Palestiniens autour de la statue de Nelson Mandela pour dire merci à l'Afrique du Sud qui a porté plainte à la Cour pénale internationale contre les crimes de guerre et l'épuration ethnique commise par l'entité sioniste contre les Palestiniens.
Et justement, la Cour internationale de justice établie à La Haye marque un tournant crucial en organisant demain sa première audience dans l'affaire de génocide intentée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste. Cette affaire qui a suscité une attention mondiale a déjà obtenu le soutien de plusieurs pays, tandis qu'Israël et les États-Unis s'y opposent fermement. Fidèle à ses principes, la nation arc-en-ciel qui a combattu l'apartheid ne peut qu'être solidaire avec la Palestine, souligne Stéphanie Walters, chercheuse au Centre d'études stratégiques de Pretoria. Elle est contactée par Rabea Slimani. Il y a toujours eu, surtout de la part de l'ANC, une grande affinité évidemment pour la cause palestinienne. Je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui soutiennent la solidarité entre l'Afrique du Sud et les Palestiniens. Donc ce n'est pas nouveau. Il y a quand même des voix qui s'élèvent pour dire que l'Afrique du Sud prend une position. Les gens se demandent est-ce que cette position aura un impact sur les relations entre l'Afrique du Sud et d'autres pays comme les États-Unis et d'autres pays européens. Donc il y a plusieurs façon d'aborder et de voir cette démarche. Si réellement on voudrait contraindre l'Israël à respecter un éventuel jugement contre eux, il faut que ce soit référé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et bien évidemment, à ce niveau-là, on connaît très bien la position des États conseils permanents comme les États-Unis. Et puis pour rappel, il y a une autre procédure en cours contre Israël, cette fois-ci devant la CPI, la Cour pénale internationale, lancée par l'Afrique du Sud, le Bangladesh, la Bolivie, les Comores et Djibouti. Cette marche, celle du millionnaire à laquelle appellent les institutions palestiniennes, arabes et islamiques aux États-Unis, elle est prévue samedi à Washington pour exiger un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza. Production hydrocarbures, les voyants sont au vert pour la compagnie nationale. Elle enregistre une hausse de la production de gaz, notamment grâce au raccordement de plusieurs gisements. Berded Mendouche, expert en énergie et ancien responsable à Sonatrach, contacté par Nabila Hussein. La Sonatrach a produit en 2022 127 milliards de mètres cubes, en 2023 136 milliards de mètres cubes, principalement dû par le raccordement de nouveaux de petits gisements et essentiellement la mise en place sur le champ de Hassirman, le boosting phase 3, qui permet à ce champ de produire un peu plus dans des périodes de temps limitées. De 2019 à 2023, il y a une augmentation moyenne de 1%, soit l'équivalent de 194 millions de TEP. Sur 2024, il est prévu d'augmenter la production de gaz à 140 milliards de mètres cubes. En matière d'exportation, en 2022, il a été exporté 52 milliards de mètres cubes de gaz, principalement par gazoduc, et en 2023, 56 milliards de mètres cubes. L'autre partie a été consacrée à la consommation nationale et une partie a été utilisée dans ce qu'on appelle le cyclage, c'est-à-dire la réinjection au niveau des puits pour maintenir leur pression et maintenir leur durée de vie. Le gaz propane, lui, contribue significativement dans les démarches de désenclavement à travers le pays. Les îlots propanés sont de plus en plus utilisés pour les nombreux avantages qu'ils offrent. Le cas de Tiaret est édifiant. Les précisions de Leïla Bembouzi, directrice de la branche GPL à Naftal, au micro de Sabine Lassen. La wilaya de Tiaret a bénéficié d'un programme très important, à savoir le raccordement de 809 foyers en citerne 1750 et 30 écoles et établissements scolaires en citerne propane aussi. Gisement de Garajbilet, la campagne 2024 table sur l'extraction et le concassage de 200 000 tonnes de minerais de fer en attendant le traitement de ces volumes. Hakima Kamel. L'extraction du minerai de fer, appelé à être traité pour être purifié de son phosphore, va crescendo de campagne en campagne d'extraction et de stockage avant l'entrée en service de l'usine pré-traitement de Rajbilet et l'usine traitement à Bachar par le partenaire turc basé à Oran. Mahmoud Boukrouma, directeur des travaux. Nous avons lancé une campagne d'extraction qui équivaut à 100 000 tonnes. On les a extraits, on a fait le concassage. Il y a une deuxième campagne qu'on a lancée en 2023 de 80 000 tonnes. Rajbilet est actuellement exploité ou concassé sur une surface de 5 000 m² pour un total de 15 000 m². La campagne d'extraction 2024 mise sur 200 000 tonnes de fer à concasser et à stocker avant le traitement. Le site de Garajbilet, qui sera notamment alimenté par une centrale solaire d'une capacité de 200 MW, Hamid Belghassem.
200 mégawatts, c'est suffisant, mais c'est aussi pour le paysage. Il faut savoir que le gisement de Garajbillet aura besoin d'énergie, qui est couverte en ce moment par des groupes électrogènes, mais qui, à l'avenir, sera couverte, ce besoin qui va aller en s'accroissant avec le développement du gisement de Garajbillet, l'un des plus importants au monde, avec la mise en place prochaine d'une station solaire photovoltaïque de 200 mégawatts. Cette station aura un avantage certain, car il y a déjà en développement une quinzaine de petites stations disséminées à travers les hauts plateaux et le sud algérien, avec une main-d'œuvre locale, une maintenance locale et probablement des installateurs locaux. Celle de Garajbillet permettra de subvenir aux besoins sans cesse en augmentation de toute la région. Le froid s'installe notamment à l'intérieur du pays, les températures enregistrent une hausse sensible, les associations se mobilisent pour venir en aide aux personnes démunies. Ibtihal Atoun. Les SDF, ces êtres sans liens familiaux, sans toit, ni travail, ni perspective d'avenir, craignent l'hiver et ses aléas. Boualem, ce septuagénaire au visage pâle, marqué par la douleur, exprime sa détresse. J'ai un os qui me sort un peu de la hanche. J'ai passé un hiver infernal. Je souffre trop quand il fait froid, ça me fait encore trop mal. Donc, des associations caritatives tentent d'apporter leur aide à cette communauté. Fouzi Rebhi, président de l'association Piété et Bienfaisance. La première des choses qu'on a faites, c'est la distribution déjà de vêtements chauds. Les bonnets, les joggings, les cols roulés. Et nous avons aussi distribué des couvertures. On faisait deux fois par semaine des distributions de repas chauds. On réussissait à chaque fois à faire entre 160 et 170 repas. Dieu merci, l'opération s'est bien passée grâce à nos donateurs, grâce à nos guerriers bénévoles. Cette frange vulnérable de l'association que nous rencontrons très souvent dans les rues et les espaces publics, aspire à vivre dans des conditions décentes à l'abri des rigueurs, de la météo et tout autre danger. Donc la météo avec des températures qui baissent sensiblement, notamment à l'intérieur du pays. Les détails à la fin du journal. L'oléiculture, pour de nombreux producteurs, c'est une passion, un ingrédient qui pousse à la réussite. Aris Chachoua, depuis Bouera. En Kabylie, de père en fils, l'amour de l'olivier est laissé en héritage. Le cas de Adel Akouche, producteur d'huile d'olive de renommée internationale. C'est une huilerie familiale. Depuis 1994 qu'on a commencé la trituration. Mais avant, c'était une famille oléicole. À partir d'une huilerie traditionnelle, Adel, connaissant très bien la valeur nutritive de l'huile d'olive de sa région, se lance d'abord en formation spécialisée, ensuite franchit le marché international avec Oléal, huile algérienne. On a acquis une expérience de l'ancienne huilerie. On a imaginé pourquoi ne pas avoir automatisme dans la huilerie. Et finalement, j'ai été en Italie en 2011. Donc, on a acquis cette technologie, la plus récente en extraction d'huile d'olive. Aussi, j'ai fait des formations ailleurs, en Espagne, en Italie. J'ai visité tous les pays qui sont producteurs d'huile d'olive. Donc, il y a un itinéraire technique à respecter. On a respecté ça, on a abouti à des résultats excellents, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle internationale. Les succès se succèdent et l'huile algérienne se positionne en première place du podium aux sélections internationales. On a été aussi de Paris, il y avait un bon retour. Le Canada, c'est la même chose. Par la suite, on était à Istanbul, où il y avait 450 participants à l'échelle mondiale. Là, on a eu le Platinium, 97,75 points sur 100. C'était le meilleur résultat qui sur le concours d'Istanbul. Par la suite, on a eu une médaille d'or à Genève. On a augmenté la barre de la visibilité d'huile d'olive algérienne à l'échelle internationale. Maintenant, il faut passer à la deuxième vitesse, c'est la production. Bouira, Aris Chachoua, Algéchal 3. Et les produits du terroir sont à l'honneur ces jours-ci à l'occasion du nouvel an amazigh. D'ailleurs, les festivités de Yennayer sont officiellement lancées aujourd'hui à Alger à travers des activités. Nous allons en savoir plus et davantage avec vous. Fateh Boumahdi, bonjour Fateh. Oui, bonjour Naïmen. En effet, alors après l'inauguration officielle du sourd de Yennayer hier au niveau de la Grande Poste, ce matin a eu lieu le coup d'envoi officiel des festivités de Yennayer de 1974 au niveau du Cercle National de l'Armée à Bim Soust. Et ont assisté au coup d'envoi officiel le conseil du président de la République Mohamed Sereh Saadawi, le SG du HCA Sil Hashmi Assad, le Walid d'Alger Mohamed Abdel Novakri et plusieurs autres hauts fonctionnaires de l'État. Lors de son allocution, le SG du HCA a remercié le président de la République pour avoir mis ses festivités
sous son haut patronage. Et par la suite, il a annoncé les nouveautés de cette année. Le sourd de Yinaye, la participation de 8 jeunes start-upers qui œuvrent à la promotion de la langue amazigh, des compétences algériennes avec un contenu algérien et la tenue de plusieurs ateliers et conférences. D'ailleurs, en parlant des conférences, la première a débuté il y a 30 minutes environ sur Yinaye et sa dimension historique et culturelle et l'identité culturelle. Et plusieurs autres sont également au programme. La diversité linguistique en Algérie et des ateliers sur la traduction et la création littéraire en langue amazigh. Voilà tout, Naïman. Merci Fatah Boumahdi. On aura en tout cas l'occasion de suivre les différentes activités organisées, notamment les marchés de Yinayer dans plusieurs villes du pays, mais également des expositions artistiques, notamment celles que nous avons visitées tout à l'heure à travers le travail réalisé par Nadia CSI. On va parler de sport. L'actualité avec vous à Ali Hammouch, c'est essentiellement l'arrivée de l'équipe nationale de football en Côte d'Ivoire pour prendre part à la CAN. Bonjour Naïman. En effet, la sélection algérienne de football est attendue d'un moment à l'autre à Bouaké, en Côte d'Ivoire. C'est là où est logé le groupe D dans lequel évoluera l'Algérie aux côtés de l'Angola, le Burkina Faso ainsi que le Burkina Faso. La sélection algérienne qui était en stage à Lomé pour une dizaine de jours, la capitale du Togo, durant ce stage, la sélection algérienne avait disputé deux matchs amicaux. Le dernier en date, c'était hier face au Burundi et la sélection algérienne s'était imposée 4-0. Et la sélection algérienne donc allait à J-5 de son premier match de la CAN en Côte d'Ivoire, et ça sera lundi prochain face à l'Angola. Ça sera à 21h, heure algérienne. On va parler d'une autre compétition continentale qui a trait cette fois-ci au cyclisme. En effet, Naïman, c'est une autre compétition. C'est un championnat d'Afrique de cyclisme sur route. Donc, la sélection algérienne qui participe à ce grand événement continental. Et pour ce premier jour de compétition, il y aura trois courses dans lesquelles sont engagés nos cyclistes. Il y aura tout d'abord la course poursuite par équipe messieurs. Donc l'équipe est composée de Yassine Chalal, Lotfi Chombaz, Lhsib Sassan et Salahuddin Cherki. Il y aura la course contre la montre par équipe messieurs également avec Lhsib Sassan, Zakaria Boudal, Mohamed Najib Assal et enfin en scratch individuel dames, il y aura le duo Nesrin Houili et Siham Bousbaar. Merci Ali Hammouch, merci Ardouane Siassi qui était à la réalisation.